Bonjour à tous, bienvenue à Paris, au Parc des Princes, avec une météo assez clémente, un très beau temps aujourd'hui pour cette rencontre. Nous allons vous commenter ce match, Pierre Ménès et moi. Ce match qui pourrait être un tournant, hein, puisque le titre est à portée de main pour l'une des deux formations avec cette rencontre. Le Paris Saint-Germain face aux Reds de Liverpool. Ouais, voilà, une belle chance à saisir pour ces joueurs. Ils peuvent devenir champions s'ils l'emportent aujourd'hui. Évidemment, en face, on va pas se laisser faire. Neymar qui continue. Allez, il faut le mettre celui-là. Et il change tout. Il change tout ce but. C'est peut-être le but du titre même. Ah ouais, si les choses en restent là, c'est même certain. Il faut tenir maintenant. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui met le score. Il y a eu quelques grands matchs européens aussi dans ce Parc des Princes. Avec le PSG bien sûr, mais pas seulement. Ouais, il y a eu une finale Liverpool-Real en 81 qui n'a pas été inoubliable. Et puis il y a eu une finale de Coupe de l'UEFA entre l'Inter et... Mbappé en bonne position. Idrissa Gueye. Oh oui, Becker! Oh, magnifique intervention d'Alisson Becker. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Le ballon dégagé finalement, corner à suivre. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Et ce but, Pierre, on est d'accord. Pour l'instant, c'est le titre qui est en poche. Ouais, les chiffres sont là quand même, hein. C'est jamais impossible, mais là, à mon avis, ils se sont définitivement mis à l'abri. Allez, il va, Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Di Maria. Neymar. Le but de Neymar. Neymar qui marque. Ah, les ballons comme ça, il sait les exploiter. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Virgil van Dijk. Sadio Mané. Sadio Mané encore. Oh, il va filer au but. Un superbe geste défensif. Neymar.
Kylian Mbappé avec Neymar. Il est dépossédé du ballon. Fabinho. Avantage laissé à Liverpool, ça joue. Le long de la ligne de touche. Liverpool qui perd le ballon. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Verratti. Idriss Agueye. Mbappé. Et ce ballon qui est bien récupéré. Mohamed Salah. Oh, le défenseur intervient au dernier moment. Emirates qui perd le ballon. Oh, la bonne occasion. Oh, le but pour le Paris Saint-Germain. Ouais, ça fait 4 à 0 maintenant, l'addition commence à être lourde. Le numéro 23, Julian Draxler. Neymar. N'oubliez pas bien sûr d'emporter le programme du match avec vous. À l'intérieur, notre partenaire. Ouais, c'est propre ça. 15% de remise sur vos pizzas livrées à domicile. Alors profitez-en. Il l'a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Oh, il était temps d'intervenir là. Qui va changer de camp. Reste l'équipe MB, il était là. Pignage d'homme. Virgil van Dijk. Joe Gomez. Sadio Mané. Oh, il se fait passer. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Wijnaldum. Plusieurs possibilités pour Sadio Mané. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Mbappé. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah, c'est bien donné, attention. Récupéré par l'adversaire, ce ballon complètement en manque. Mbappé qui va pouvoir créer le danger. La cage complètement abandonnée par le gardien. Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Et les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe. Fabinho. Sans vouloir enfoncer cette équipe, il faut bien reconnaître que c'est quand même très compliqué pour elle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'elle va s'en sortir ? Ouais, on n'est plus très loin de la mi-temps et la prestation de Liverpool a de quoi décevoir aujourd'hui. On ne sent aucune volonté de gagner dans cette équipe et ça, c'est assez bizarre. Oh, il est passé, superbe geste technique. Ouais, c'est magnifique. Neymar, PSG qui perd ce ballon. Eh bien, on peut dire que cette première période nous aura réservé son lot de surprises. Ces 45 premières minutes qui s'achèvent donc sur un constat assez simple. Domination, hein, Pierre. On va prendre l'avantage juste avant la pause.
C'est reparti, ce sont les joueurs de Liverpool qui engagent. Sadio Mané. Moussala. La passe a été interceptée par Prestel Kimpembe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Florenzi. Idrissa Gueye. Marco Verratti. Mbappé. Ballon perdu par les Parisiens. Salah. Il perd le ballon. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Salah. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos et à la régulière. Draxler. Et qui siffle coup franc en faveur du PSG. Allez, le ballon posé, ça joue. Ouais, après un bon pressing, eh bien, il retrouve la possession du ballon. Oh, ça peut faire but. Oh, but. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée. Technique de Sadio Mané. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Attention. Oh oui. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Diogo Jota avec Fabinho. Virgil van Dijk, Andro Robertson, Wijnaldum. Mbappé. Voilà, contrôle raté. Ballon en profondeur. Et le duel qui est remporté par Alisson Becker. Bien joué, gardien. Wijnaldum. Oh, il se fait subtiliser la balle. Et Bledski perd le ballon. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Allez, une place là pour une contre-attaque. Marco Verratti. La perte de balle de Verratti. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Oh, il a bien joué le coup. Il a bien joué le coup, la Keylor Navas, dans ce duel. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Oh, il y a de l'autorité là, dans ce tacle de Kylian Mbappé. Bien donné encore une fois. Hors jeu, André Di Maria, dommage. Bon, on va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée là. Ouais, pour le coup, ça me fait un peu la peine de dire des choses, mais les Reds sont franchement à la rue aujourd'hui. C'est pas la joie devant, au milieu, où ils ont perdu beaucoup de ballons, et puis derrière, ça flotte grave. Gomez avec Fabinho. Mohamed Salah. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Keylor Navas qui était bien placé, pas de problème.
glisse ce ballon en profondeur. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Wijnaldum. Limite du tissé grain sur le tableau d'affichage. La sérénité qui domine bien sûr dans cette équipe parce que l'avance est confortable. Le titre qui semble vraiment acquis maintenant. Ouais, sauf catastrophe évidemment. Ils seront champions à la fin de cette rencontre. Et puis c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Très bon jaillissement là du gardien. Un ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Wijnaldum. Liverpool qui perd le ballon. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Sadio Mané qui s'est raté en donnant ce ballon à l'adversaire. Ça peut lui arriver également. Draxler. Oh là là, il est allé le chercher ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon, mais finalement, il a réussi à écarter le danger. Bravo. Du changement dans le camp de Liverpool, Pierre. Oui, c'est Jorginho Wijnaldum qui cède sa place à Jordan Henderson. Gros bosseur, athlétique, grosse présence en milieu de terrain. Verratti. Mbappé. Et la bonne intervention de Van Dijk. Ah, il était là, Virgil Van Dijk. Ah, il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Ah, c'est superbe surtout parce que c'est tellement spontané. Encore Neymar. Et ça va donc être un corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Le gardien qui repousse ce corner. La fin du match à l'instant. Et c'est officiel. Il remporte le titre. Les festivités peuvent commencer. C'est vrai qu'il y en a des choses à faire. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. Un match que vous allez vivre avec nous, Hervé Matou et Pierre Ménès. C'est le coup d'envoi de cette saison aujourd'hui. C'est du grand spectacle qui est attendu, Pierre, aujourd'hui. Ils sont là, Hervé, les tenants du titre. Ils ont l'air sereins, confiants même. J'ai même vu certains en avant-match plaisanter avec des journalistes. Oui, des joueurs qui plaisantent avec des journalistes, c'est-à-dire leur haut degré de confiance. Ça sort, corner à nouveau. Le corner qui est joué en deux temps. Dybala. Federico Chiesa. Juan Cuadrado. Il peut le mettre.
Oh. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Et dans ce match, Pierre, on va voir Cristiano Ronaldo face à Mohamed Salah. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux joueurs dans cette rencontre? Oui, Cristiano Ronaldo est un joueur dont les gardiens adverses redoutent le jeu de tête. Il s'est remisé, mais il s'est aussi marqué. Quant à Mohamed Salah, c'est un joueur qui sait profiter de sa vitesse pour déborder ou faire des appels de balles en profondeur. Dybala, Ronaldo, l'occasion pour prendre les devants. Et bien sûr, il en faut plus que ça pour tromper Alisson Becker. Sadio Mané. Fabinho. Sadio Mané. Wijnaldum. Paulo Dybala. Voilà, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Hein. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des... L'occasion de prendre l'avantage. C'est une grosse frappe, hein, une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. Andrew Robertson. Fabinho. Sadio Mané. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Fabinho. Ah, ça combine bien, ça circule bien, ça fait courir l'adversaire. Fabinho. Ils font tourner en attendant une ouverture. Il s'infiltre, attention. Attention à ne pas commettre de faute. Juan Cuadrado. Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa. Oh non, ça s'est mal défendu. Ah, l'ouverture du score. L'ouverture du score signé Cristiano Ronaldo. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Fabinho. Pour Virgil. Andrew Robertson avec Fabinho. Alexander Arnold. Avec Salah. Andrew Robertson. Andrew Robertson. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Paulo Dybala. Federico Chiesa. Ah, la passe en profondeur, attention. Mohamed Salah. Mohamed Salah qui retrouve le ballon. Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo. Ah, le danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Fabinho pour intercepter. Andrew Robertson. Mohamed Salah. Ouais, il avait vu venir. Cristiano. Dybala. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Eh non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Cristiano Ronaldo toujours.
Cuadrado. Allez, il peut y aller, il peut marquer Dybala. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Fabinho. Virgil van Dijk. Andro Robertson. Wijnaldum. Mohamed Salah. Ah, c'est bien donné ce ballon. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. La frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Allez, un petit mot sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo. Il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie, mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré. Je dirais bien, mais peut mieux faire. Match qui reprend pour Liverpool, qui doit absolument redresser la barre. Ça se passe mal pour l'instant. Alexander Arnold. Fabinho. Diogo Jota. Ah, on sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges assez fluides. Non, ça ne passe pas. Cristiano Ronaldo. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Alexandro, interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Sadio Mané. Mohamed Salah, attention, ça peut être dangereux. Adrien Rabiot. En profondeur, oui, bien vu. Bon, le tacle dans la surface, c'était osé. Mais il a eu raison, ça a payé. Et Mets qui perd le ballon. Dybala. Federico Chiesa. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Paolo Dybala. Si prega il gentile pubblico di non cambiare il proprio posto assegnato durante la partita. Paolo Dybala. Il y avait la puissance, ça c'est clair, mais la précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Ouais, dernière occasion qu'elle y monte des statistiques sans appel à l'image du score d'ailleurs. Andro Robertson. Sadio Mané. Parce qu'il a voulu faire Sadio Mané là, mais il s'est complètement raté. Il a donné le ballon à l'adversaire. Le ballon en cloche pour Cristiano Ronaldo. Ouais, bel appel de balle. Ah, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. 3-0, ils prennent le large. Togames. Pour Virgil. Andro Robertson.
Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. De Gomez pour Virgil. Andrew Robertson. Il va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Cristiano Ronaldo. Il lui redonne. Et le ballon qui change de camp. Oh, bien coupé là par le défenseur. Fabinho. Ouais, hors-jeu. Hors-jeu, indique l'arbitre. Ronaldo. Et toujours Dybala. Il va y aller. Et le but, que c'est beau. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. De Gomez. Trent Alexander-Arnold. Wijnaldum. Avec ça. Fabinho. Mohamed Salah. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez, le centre maintenant. Fabinho. Andrew Robertson. Avantage, laissé à Liverpool, ça joue. Joe Gomez. Fabinho. Avec Mané. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Andrew Robertson. Diogo Jota. Mané. C'est contré. En deux temps, peut-être ce corner. Ou il était temps là. Il était temps. Ouais, ça passe pour lui un peu trop facilement quand même. Hein. Ah, c'est pas une défense, hein, Gruyère. Diogo Jota. Robertson. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère une minute de temps additionnel. Il vient buter sur la défense. Le coup de sifflet final, c'est donc terminé. Et voici un bon résultat pour lancer cette nouvelle saison. Et visiblement, si on se posait la question, les joueurs ont toujours faim. Hein. Ouais, ce sont clairement les...
took a glass and I filled it up. I sat back down and I took the rush.